Le mec qui marche en slow motion? C'est moi. Je m'appelle Anis. Je viens tout juste d'arriver à Hérouville-Saint-Clair et j'ai été agréablement surpris par cette ville cosmopolite qui compte plus de 75 nationalités. Je vous propose de voyager les 5 prochaines minutes avec moi pour découvrir les villes étrangères avec lesquelles elle entretient un lien fort. Donc, tout d'abord, allons rencontrer Merveille sur l'avenue de Garbsen. Garbsen est une ville en Allemagne qui est jumelée avec Hérouville-Saint-Clair. Elle est environ trois fois plus grande qu'Hérouville. Et Garbsen est située à côté d'une autre grande ville qui s'appelle Hanovre. C'est un peu la même chose qu'avec Hérouville. Merci Merveille. Il est désormais temps d'aller écouter la présentation de notre très cher Omar, habitant au Sénégal. Oh, tiens, d'ailleurs, c'est lui qui appelle. Bonjour, je m'appelle Omar Faye. Je suis le directeur de l'école élémentaire de Agnam Lidoubé. Je suis présentement aujourd'hui ici dans la commune de Agnam Sivol, plus précisément à la place dédiée Hérouville-Saint-Clair. La commune d'Agnam est une commune qui se trouve dans la région de Matam, plus précisément dans l'arrondissement de Agnam Sivol. La commune d'Agnam est une commune qui est en partenariat et une commune jumelle avec la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Depuis plus de 20 ans, ce partenariat aujourd'hui est très vivant à travers les deux communes qui s'entraident. Merci Omar. Il est désormais temps de faire face au rude vent de Russie en compagnie de Nina sur la place Tikhvine. Bonjour, je suis Nina Hervieux, présidente de l'association. Qu'est-ce que c'est Tikhvine? C'est marqué là. Tikhvine, c'est une petite ville dans la région de Leningrad, Saint-Pétersbourg, qui se trouve à 200 km de Saint-Pétersbourg, côté est, sur direction de l'Oural. Et notre ville Tikhvine, pendant 30 ans déjà, jumelée avec la ville d'Hérouville. Et notre association, qui a été créée à partir de ce jumelage, aura fêté son anniversaire l'année prochaine, en mois de mars. Merci Nina. Il est désormais temps d'aller se détendre au parc Kaffir en compagnie de Abder. Bonjour, je m'appelle Abderrahim Abadi, je suis président de l'association Amitié Hérouville-Afir. Afir est une ville qui se trouve exactement dans la région de l'Oriental du Maroc. Les deux villes sont jumelées depuis 2009 et c'est à l'anniversaire en 2019 que le parc du Val a été renommé parc d'Afir. Les deux villes travaillent sur de nombreux projets et font régulièrement des échanges. J'ai entendu dire qu'un bateau de vikings se trouvait dans la ville. Je vous propose de finir avec ceci. J'ai hâte de le voir. Goddag, chère venner, franske. C'est par ces quelques mots norvégiens que je vous accueille sur le Draka. Vous le connaissez, c'est le Draka qui se situe au rond-point à Hérouville, près du bois de l'Élysée. Voilà pourquoi je suis sur ce Draka. Tout simplement parce que nous allons faire un partenariat avec une ville norvégienne et qu'on a vraiment envie de vous faire voyager, vous faire découvrir ce magnifique pays. Et la Norvège, c'est aussi, on dit que c'est le pays de Roland, premier duc de Normandie. Merci Cyril. Vous savez désormais que Hérouville-Saint-Clair est jumelée avec quatre villes. Garbsen en Allemagne, Agnam au Sénégal, Tikhvine en Russie, Afir au Maroc, et la ville entretient également un lien avec la Norvège. Merci. Portez-vous bien.